Phénix tomba sur Stéropès, jadis gardien des automates, et dorénavant simple sentinelle de Typhon. On se reverra chez Hadès, Stéropès. Je ne l'ai jamais aimé, celui-là. Normal. Après tout, il n'a fait que te fournir la foudre. Plutôt bâclé comme travail. Je lui ai mis 2 étoiles. Yeah.
Connaître la perfection, tu vas souffrir, mais cela en vaudra la peine. Au fond des abîmes, Brontès, le traître rôdeur, attendait. L'assistant d'Héphaïstos, celui qui m'a donné ma foudre. La première fois que je l'ai rencontré à une fête, il a pas arrêté de me regarder, et d'un drôle d'air. Ça m'a énervé, alors je suis parti. Avec toi, ce n'est pas très facile de raconter les histoires. Cyclope, il y a sûrement une blague marrante à faire, là. Tu pourrais aussi louer les prouesses de la guerrière. Porteuse de bouclier, s'il te plaît. Bien. Maintenant que nous sommes tous là... Allons-y! Nous devons faire preuve de prudence face à Typhon. Prudence? Nous devrions plutôt affûter nos lames, envahir sa grotte et lui couper la... Oh, trésor. Je suis là, je te signale. Oh, je t'en prie! Je n'en peux plus de tes emportements. Je suis enceinte d'Arès, t'entends? Alors fais-toi une raison. Attends que j'en parle à ma psychothérapeute. Tu verras, elle sera de mon avis. Bien sûr qu'elle sera de ton avis. C'est Echo. Elle ne fait que répéter ce que tu dis. Au moins, Echo, elle m'écoute. Non, mais c'est une plaisanterie. Que penserait Zeus de tes égarements, Arès? Mes égarements? Tu ne t'en prends à Arès que parce qu'il a l'imprudence d'enlever son casque de temps en temps. Ce qui explique l'état de son cerveau. Oui, laisse-toi aller à la colère, Athéna. Je sens venir l'inspiration poétique. Tu n'es qu'un pignouf, Héphaïstos. Il n'y a que moi qui peux traiter mon mari de pignouf, espèce de harpie. Non ! Moi, tu défends le forgeon, maintenant ! Assez ! Je suis là, Olympien, et j'ai une idée. Liguiron ! Quoi, petite sœur ? Tu craignais m'avoir de nouveau perdu ? Eh bien non ! Pardonne à un mortel de s'immiscer ainsi, Héphaïstos, mais tu as fabriqué des chaînes assez grandes pour Typhon. Elles se trouvent bien sur la montagne de Zeus, n'est-ce pas? Oui, en effet. Mais Typhon... Je peux me faufiler là-haut sans alerter Typhon et les voler. Ces chaînes ne le retiendront pas. Il se libérera. Il suffira d'une goutte de sang de chacun d'entre vous, que j'associerai à du nectar de l'Olympe pour en enduire les chaînes. Et le problème sera résolu. Il a raison. Cela devrait marcher. Permettez. Tendez-moi simplement votre main.
Je n'ai rien senti du tout. Il est très doué. Je ne vous remercierai jamais assez. Je reviendrai quand ce sera fait. Mais, et moi? Je pensais venir avec toi sur la montagne. Les choses ont beaucoup empiré là-bas. Tu sais à quel point je me sentirais coupable s'il t'arrivait quelque chose. Je suis solide, et tu avais dit qu'on irait ensemble. N'insiste pas, petite sœur, reste ici. Rassemble des armes au cas où j'échouerais. Mais je n'échouerai pas. Oh, c'est ton frère? Oui. Ce sourire confiant. Cette assurance. Et en plus, il savait déjà où se trouvaient mes chaînes. Je sais, je sais. Je le déteste. Je ne le supporte pas. Pas bon? Comment tu as pu vivre avec un homme pareil? Il est horripilant. Et puis lèche-botte. Si j'ai besoin de quelqu'un de désagréable, j'ai déjà mon père. Hey! Tu ne vas quand même pas le laisser te marcher dessus comme ça? Eh bien, il va accomplir la prophétie, après tout. Où est passée la jalousie dont tu as fait preuve dans ma forteresse? Tu as envie de gloire? Saisis-la! Tu penses que cette prophétie ne te concerne pas? Où est cette phénix qui m'a contrainte à écouter? Qu'est devenue ta fierté? Tu passes avant tout. Oublie la gentillesse. Éviter les conflits, ce n'est pas pour toi. La souffrance rend plus fort. Je sais que tu es l'objet de cette prophétie, car tu l'as déjà largement accomplie. Qu'est-ce que tu veux? Être une héroïne. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Arriver au sommet de cette montagne avant les Guirons. Voilà! Et nous allons t'y aider. Je vais t'accorder une belle avance en appelant une tempête qui chassera la glace du chemin qui gravit la montagne. Depuis quand tu peux faire ça, toi? Depuis que Zeus m'a laissé emprunter une tempête pour frapper la flotte grecque après la guerre de Troie. Je suis sa préférée, vois-tu. Moi, je n'ai eu droit qu'à de vaines promesses. Oui, bon, on ne t'a pas jeté du haut d'une montagne. Il y a pire, je t'assure. Moi, Zeus m'a obligée à t'épouser. Mieux vaut ne pas être sa préférée, croyez-moi. Zeus essaie simplement de se rattraper du meurtre de ma mère. Bon sang. Ils ont tous raison. Comme père, je suis... épouvantable. Enfin ! La vérité a parlé ! Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, dis-le-moi.